C'est vraiment le moment d'agir. On n'a pas le temps d'attendre maintenant. On sait, tous les scientifiques nous l'ont dit, c'est extrêmement grave et ça s'accélère. Ça s'accélère. C'est-à-dire que la situation est pire encore que le pire des scénarios qu'avaient envisagé les scientifiques sur le réchauffement climatique il y a seulement 2 ans. Hein, la fonte des glaces a pris un siècle d'avance. Donc on est vraiment dans une situation où on est quasiment face au mur et où nos sociétés continuent d'accélérer. Notre rôle est vraiment d'appuyer immédiatement sur le frein. Notre idée, c'est que vraiment, on doit faire en sorte de développer les énergies renouvelables sur le territoire, là où on a des possibilités. Et donc, à Paris, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de centrale nucléaire, et tant mieux. Mais on a du soleil, éventuellement, qui vient du ciel, on a du vent, on a la Seine, et puis on a dans le sous-sol de l'eau chaude, de la géothermie. Et donc, on peut aller chercher cette eau chaude pour l'utiliser pour l'énergie, pour chauffer les logements. Et là, on a trouvé un site où c'est vraiment extrêmement fonctionnel pour un quartier nouveau dans Paris, où on va pouvoir, avec cette géothermie, fournir l'énergie, la moitié de l'énergie nécessaire pour 12 000 logements. Et donc, c'est un premier projet de cette envergure. On en a d'autres sur le territoire parisien. Donc, vraiment, on a la possibilité de démontrer que nous pouvons développer une certaine autosuffisance énergétique sur le territoire, ce qui permet de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et de rendre ce territoire plus résistant face aux crises énergétiques. Aujourd'hui, l'Europe adopte des textes, mais elle ne se donne pas les moyens pour atteindre ses objectifs. Et donc, il y a un véritable risque que finalement, la parole de l'Europe ne paraisse plus aussi crédible qu'elle l'était jusque-là. Alors, heureusement, il y a la pression des États-Unis avec Barack Obama, la pression de la Chine, qui vont peut-être aujourd'hui être capables de prendre le leadership sur la question du réchauffement climatique. Ce serait dommage pour l'Europe de perdre ce leadership. Mais moi, mon sujet, c'est d'essayer de faire cette pensée qu'il faut qu'il y ait le maximum d'émulation, en quelque sorte positive, entre tous ces pays qui prennent conscience qu'il faut agir et que, y compris, ça force l'Europe à être beaucoup plus ambitieux, non seulement sur les objectifs, mais sur les moyens qu'on met en place pour réussir à combattre le réchauffement climatique.